événements. Vous êtes prêt à acheter une maison? Ben, c'est le temps d'acheter avec Profab lors de ses grandes portes ouvertes les 12 et 13 septembre prochains à Vallée-Jonction, Québec et Saint-Apollinaire. Sur place, il y a 25 000 $ à gagner en mise de fonds à l'achat de votre maison. Un événement en collaboration avec Desjardins et Transcontinental, on vous attend. Et une bonne nouvelle pour les gens de Lotbinière. Cette semaine, Maxiform célèbre l'ouverture de sa toute nouvelle succursale de Saint-Apollinaire. À même un tout nouveau complexe sportif, vous retrouverez un vaste inventaire d'appareils, une équipe d'entraîneurs qualifiés, une boutique de suppléments et une halte garderie. On vous invite à aller visiter le nouveau Maxiform à Saint-Apollinaire. Info 433-4172. Vous voulez économiser sur votre assurance auto? Allez sur clicassure.com et prenez 5 minutes pour remplir le formulaire qui sera envoyé à plusieurs assureurs et courtiers. Et sachant qu'ils sont en compétition, ils vous feront la meilleure offre possible. Visitez clicassure.com et économisez. Durant l'événement Volksfest de Volkswagen, on dit au revoir au modèle 2015. Profitez d'un taux de financement à partir de 0% jusqu'à 84 mois sur certains modèles. C'est votre chance de dire au revoir à... Georges, attention! Avec l'étonnante caméra de recul de la Jetta 2015, aussi équipée de la connectivité Bluetooth et du régulateur de vitesse. Dépêchez-vous, c'est votre dernière chance d'obtenir un taux de financement de 0% jusqu'à 84 mois sur les Jetta 2015 les plus populaires. L'offre se termine le 30 septembre. Visitez votre concessionnaire Volkswagen ou vw.ca pour les détails. Durant le Millimélo de Dormez-vous, nos ensembles de draps vedettes 100% coton sont en vente à seulement $39.99. Toutes couleurs et toutes grandeurs. Wow, c'est le fun ça! Oui. Même les modèles grands et très grands sont offerts au même prix. En plus, nos luxueux draps 5 étoiles en rayon de bambou sont offerts au plus bas prix jamais annoncé. Parle-moi de ça, de la qualité, puis pas cher en plus. Oui, puis ils sont super doux, rafraîchissants, vraiment impressionnants. Mais il faut faire vite, car l'offre se termine mardi. Toi, 98.1. Nouvelle programmation. Radio-X. Nouveau matin. Nouveau midi. Nouveau midi. Nouveau retour. Toujours Radio X. Radio X. Morel. André Arthur. Moreau. Martineau. Ravel. Cochon. Guillet. Monet. Marceau. Yeah! Faites pas le saut. Il est très possible que vous aimiez vraiment notre nouvelle programmation. Choix. La marche à suivre est simple. 98.1. T'écoutes, t'aimes ça, puis tu recommences le lendemain. Choix. À Québec. Toujours Radio X. Le show. Le show. Tard. Avec Marceau et Véro Racine. Hein? Adieu. Adieu. Fin de soirée plate et ennuyante. Le show tard. Radio X. h 02, mesdames, messieurs, bonsoir. Comment ça va, ma belle Véro? Ça va bien. T'as la grippe? Ouais, ben en fait, c'est comme un mélange de grippe puis d'allergie à l'herbe à poux. À l'herbe à poux. Ouais. Fait que mes M deviennent des B et mes V deviennent aussi des B. Ouais. Là, t'as pris des claritins, hein? Ce que je t'avais conseillé hier. J'en ai pris un petit peu, mais je t'avoue, ça n'a pas changé grand-chose. Ça fonctionne pas? Non. OK. Mais c'est pas grave. À part avoir le nez rouge, je pense que je suis pas si mal, hein? C'est ça. Je vais te dire la vérité, t'es pas si mal. Merci. Pas le choix de te dire la vérité parce que ce soir, on aborde un sujet qui rend certaines personnes nerveuses. On va se le dire. Ce soir, au Chauteur, on jase avec l'auteur Annabelle Boyer. Elle est synergologue. Comment ça va, Annabelle? Ça va très bien. Qu'est-ce qu'une synergologue? C'est une spécialiste du langage non-verbal. OK. Fait que tu vois, elle m'a donné un coup, je compte des mensonges encore à soir. Là. Ça se peut qu'elle sache. Ça se peut qu'elle s'en rende compte. Mais t'es tellement mauvais menteur de toute façon que nous serons deux à s'en rendre compte. Ben, ça stresse vraiment les gens, ça, une synergologue? Oui, généralement. Tout le monde a un peu des secrets, veut pas, c'est inévitable. Et des fois, les gens ont l'impression qu'on lit dans leur tête. On lit pas dans leur tête, on lit dans leur corps. Dans leur face. Dans leur face, dans leurs mains, dans les pieds, dans les postures. Mais évidemment, on lit pas dans la tête. Ouais. Quand un politicien te parle, il doit faire attention. Ils font toujours attention, de tout parti confondu. Comment on devient synergologue? Mais en fait, il faut faire une formation avec l'Institut de synergologie. On a des cours à Montréal et des cours à Québec. Ça dure, c'est une formation qui est étalée sur 3 ans pour que les gens aient le temps d'intégrer les notions parce qu'il y a beaucoup de notions. Évidemment, les notions de biologie, les muscles, entre autres. Mais des notions, évidemment, il faut observer. Donc, on a beaucoup de vidéos à analyser. On se fait filmer et on se fait analyser en groupe.
Donc, c'est des formations, c'est une fin de semaine à tous les deux mois à peu près, donc 5 fins de semaine par année, 15 au total, avec des examens à la fin de chaque année et un rapport à remettre à la fin. Véro, je sais pas si tu as vu ça à la télé ou dans les dernières années, il y a une émission, je pense qu'elle passait sur les ondes de VTL, oui, qui s'appelait Lie to Me. Ah, je le pognais pas avec mes antennes de lapin. Non? Non. Caroline. J'avais deux postes, ouais. Radio-Canada et TVA. Ouais, tu vois, je pense que c'était à VTL, oui. Ça se peut-tu, Annabelle? Oui, c'est ça. C'est un peu l'histoire d'un synergologue qui réussissait à au travers de ses enquêtes, à découvrir des gens qui mentaient et tout ça. Puis, bon, je vais t'avouer que moi, si je faisais ce métier-là, je pense que je serais pas à l'aise de le faire. Mmh. Parce que je serais tout le temps porté à analyser tout le monde. Tu rencontres un politicien, là. C'est nous autres, on en voit toutes les semaines. On le sait d'abord qu'ils vont nous mentir, mais qu'ils nous mentent en pleine face. C'est... avec les fausses promesses. Avec les fausses promesses, puis tout ça, c'est un peu plus difficile. Il y a les politiciens. Tout à l'heure, Annabelle me disait, oh, les animateurs de radio ou encore de télé, des fois, quand on arrive, on se cache en arrière des panneaux. Je dis, oh boy, t'as pas pogné le bon gars, parce que moi, Christian Houd, normalement, c'est moi qui passe pour le taouin. Hein. C'est moi qui parle de mes affaires, puis c'est lui qui me juge. Christian Houd, qui est notre psychologue attitré, ou encore Sophie Brousseau aussi. Ouais, Sophie qui Brousseau, sexologue. Qui est là avec nous autres. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi, ce métier-là? Ça sert à qui? Ça sert à beaucoup de gens. Ça sert évidemment à des policiers, des enquêteurs, des patrouilleurs. Ça sert à des avocats pour quand ils vont rencontrer leurs clients. Vérifier si le client leur a tout dit pour pas avoir de surprise en cours. Puis évidemment, pour le contre-interrogatoire, c'est bien pratique. Mais on a des synergologues aussi qui sont médecins. Des cardiologues, des médecins généralistes, des médecins spécialisés, parce que quand on rencontre un patient, est-ce que le patient justement nous a décrit l'ensemble des symptômes? Est-ce qu'il a omis certaines choses? Est-ce que le patient, c'est une personne âgée qui vient avec un enfant ou au contraire un enfant qui vient avec son parent et l'autre personne aurait des informations ou l'autre personne est aussi une source de problème? Si on a évidemment, on a des médecins, on a des psychologues, des psychoéducateurs qui sont aussi des synergologues. On a des professeurs qui veulent savoir si l'enfant qui est devant eux a bien compris la matière, est-ce qu'il est victime d'intimidation, y a-t-il un problème avec le parent, y a-t-il un problème avec les amis. On a des gestionnaires qui sont là pour des entrevues d'embauche, la gestion de conflits entre les employés, la gestion d'un client, le client qui est en train de magasiner mais qui a pas vraiment d'argent pour acheter, évidemment avec les fournisseurs. Donc, il y a monsieur, madame, tout le monde qui vient parce qu'il veut juste avoir une communication qui est plus authentique, mieux comprendre les conflits qu'il a. Donc, on a plein de gens qui viennent de tout horizon là. OK. Est-ce que vous l'utilisez des fois dans votre vie personnelle, mais c'est plus fort que vous, exemple, lors d'un premier rendez-vous, là, d'une première date, où vous essayez de mettre ça de côté? Ben, pour paraphraser Philippe Turchet, qui est le fondateur de la synergologie, la synergo, ça devient un mode de vie. Dans le sens où on peut pas ne pas voir. Il faudrait que je me ferme les yeux puis que je me bouche les oreilles pour pas entendre la voix non plus. Donc, c'est sûr que je me mets pas en mode analyse continuellement, mais je peux pas m'empêcher d'observer. Puis quand j'observe quelque chose, c'est comme si je le mettais dans un tiroir dans ma tête. Et tant que la personne, elle est authentique avec moi, de toute façon, son non-verbal va être cohérent. Le problème, c'est quand la personne va vouloir me mentir. Là, c'est sûr que je vais m'en rendre compte. Et là, j'ai le choix entre faire comme si j'avais rien vu ou lui tendre une perche, lui proposer autre chose, lui proposer des questions, lui proposer une porte de sortie. Une deuxième chance. Une deuxième chance, c'est ça. Fait que là, dans ce temps-là, je vais m'arranger pour essayer de rendre la communication plus authentique. Mais souvent, j'ai pas besoin de rien dire. Je fais juste arrêter de parler, regarder la personne. Et ça prend quelques secondes. Puis là, tout d'un coup, pouf, ça déboule, ça déballe et on a toute l'information. Ça a-tu été bien long de trouver un chum? Ça a pris quelques années. Ouais. Et je dirais qu'il y a quelques synergologues qui sont célibataires parce que c'est ouais, le même principe qu'un sexologue. Hein. C'est long, faut que les gens apprivoisent la personne. Ouais, ouais. Fait que c'est sûr que c'est un peu particulier. D'ailleurs, Philippe Turchet, sa conjointe, c'est Jocelyne Robert, la sexologue. Ça pouvait être le meilleur mix qu'on pouvait avoir parce que un synergologue avec un sexologue, ça donne un très bon mix. Ils n'ont pas peur ni l'un ni l'autre, de l'un ou de l'autre. Mais c'est sûr que pour certaines personnes, c'est plus difficile. OK. Puis pour tes enfants? Mes enfants sont d'excellents détecteurs de mensonges. Oui. Ma fille, c'est drôle parce que il y a 2 ans, ma fille a 10 ans. Donc quand elle avait 8 ans, à un moment donné, elle s'est rendue compte que le professeur disait un mensonge en pleine classe. Et elle lui a dit, devant les élèves, elle lui a dit, madame, c'est pas vrai ce que vous dites, parce que vous avez monté le sourcil droit, vous avez caché votre main, puis vous avez fermé votre bouche, c'est un mensonge ce que vous avez dit, je vous invite à reformuler. Nous, on trouve ça drôle. Là, mais... Le professeur, sur le coup, elle a ravalé, mais elle a eu la maturité de dire, c'est vrai, je reformule.
Mais disons que j'ai eu une rencontre avec le professeur après. Ah ouais. OK. Puis des fois, il essaie-tu de t'en passer une petite vite? Mon fils va essayer d'en passer. Mon fils est plus vieux. Puis j'ai même pas le temps de répliquer que sa sœur va embarquer en disant « Voyons, Simon, tu te souviens-tu à qui tu parles? Maman est synergologue, ça marche pas tes affaires. En plus, t'as joué avec ton sourcil, t'as mordillé ta lèvre, t'as fait... » Elle va tout y décrire son non-verbal, puis elle va y dire « C'est clair que c'est pas vrai ce que tu dis, là. » Mais c'est-tu sans faille, la synergologie? Parce qu'il y en a qui sont plus nerveux que d'autres. Il ouais. y en a qui, bon, ben, tu sais, mettons, son nez, il pique, il va se gratter le nez, même s'il compte pas un mensonge. Est-ce que vous êtes capable de faire la différence entre les deux? Qu'est-ce qui est normal, puis qu'est-ce qui est... anormal qui fait en sorte que la personne, exemple, est en train de te mentir ou elle t'écoute pas pantoute quand tu y parles? Bien, en fait, quand on fait notre analyse, on analyse entre 20 et 25 items en même temps. Donc, 25 signes simultanément. Ça va nous donner un horizon de sens. Mais si je pose pas de questions, je peux pas aller en profondeur. Il faut que je pose des questions, il faut que je lui tende des perches pour favoriser la communication. Parce que c'est ça mon objectif, favoriser la communication. Et je vais faire à ce moment-là la distinction entre quelqu'un qui ment puis quelqu'un qui est nerveux ou quelqu'un qui a peur de pas être cru. Parce que ça, il y a beaucoup de signes qui ressemblent beaucoup à du mensonge. Fait que je vais poser des questions et dépendamment de ses réactions physiologiques, là, je vais savoir dans quelle sphère, dans quelle émotion on est. Parce que si on est dans une émotion de colère, par exemple, on va avoir beaucoup de tension musculaire. Mais si la personne, elle a de la peine puis elle essaye de se retenir, j'aurai pas du tout les mêmes tensions musculaires. J'aurai pas la même réaction des sourcils. J'aurai pas les mêmes réactions au niveau de la bouche. J'ai pas les mêmes réactions des yeux. Donc, c'est sûr que plus je vais creuser, plus je vais générer une réaction chez l'autre, plus moi, je vais avoir des informations. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui sont des excellents menteurs. Il y a des gens qui sont habitués de mentir. Comme il y a des gens qui sont habitués de tout camoufler. Les gardiens de prison. Un gardien de prison, ça ne peut pas laisser transparaître ses émotions. Ce sont des gens qui sont très difficiles à lire parce qu'ils ont de l'entraînement. D'ailleurs, avec leur conjoint, c'est souvent plus difficile parce que la conjointe ou le conjoint est pas capable de savoir c'est quoi l'émotion du gardien de prison parce que justement l'autre se retient trop. Les policiers, ça va faire la même chose. Donc, c'est des gens avec qui on va s'arranger pour créer un climat de confiance pour qu'ils arrivent à se détendre le plus possible. OK, OK. Bon, ça fait quelques minutes que tu es avec nous. Est-ce que tu as remarqué des choses? Puis gêne-toi pas, là. Je veux dire, moi, je suis pas mal avec cobaye tout le temps, là. Et ça me dérange. Sois un peu plus relax avec Véro, non, là. Ça me dérange à la pas grippe, non plus. Mais, admettons, moins, là. Vous avez pas les mêmes réactions parce que toi, tu es dans un mode, je veux comprendre. Ouais. Tu me regardes avec le côté droit de ton visage. C'est ce qu'on appelle l'hémivisage droit. Donc, je vois davantage ton oreille droite que ton oreille gauche. Tes mains sont jointes aussi. T'es vraiment dans un mode écoute et analyse. Alors que Véronique est dans un mode impressionné. On a le sourire fendu jusqu'aux oreilles. On a les yeux qui pétillent, qui sont très grands. Donc, on a deux modes de réaction. Mais c'est peut-être juste parce qu'elle comprend rien. Marceau, garde-toi une gêne. Donc, Véro est dans un mode impressionné. OK. Oui. Fait que vous retiendrez pas la même information à la fin de l'entrevue, ça c'est certain. Soit tu vas retenir des faits très concrets, elle va retenir les exemples. Donc ça va être des choses complètement différentes. Et vous avez pas la même façon d'écouter, vous avez pas la même façon de classer l'information non plus. T'es plus expressif non-verbalement qu'elle, ça c'est clair. T'as les mains qui gesticulent beaucoup plus, tu dépasses la largeur de ton torse et tu dépasses la hauteur de tes épaules. Est-ce que c'est parce que j'ai un petit torse? Ou parce qu'il se pense bon. Ouais, ça je dirais surtout qu'il est expressif. Ah. Je suis expressif. Oh boy. Hey, ma conjointe dirait totalement le contraire. Ouais, ça c'est sûr qu'il y a une zone personnelle et une zone professionnelle. Ah oui? Oui. C'est distinct? Oui, oui. Oui, parce qu'on n'a pas le même rôle. Alors, notre non-verbal va se modifier aussi en fonction de notre rôle. Fait que c'est sûr que ça, on doit en tenir compte aussi. Mon conjoint, qui est en informatique, il a pas la même façon de gesticuler quand il est au travail que quand il est à la maison. Au travail, c'est lui le boss. Il va avoir des mouvements qui sont rectilignes. Les poignets sont raides. Fait qu'évidemment, ça paraît parce qu'il est en train de gérer. Alors qu'à la maison, il se détend. Les poignets se détendent, les chevilles se détendent, les épaules se détendent. Mais ça, on le fait instinctivement. Oui. OK, c'est particulier, ça? Oui, parce que c'est universel. C'est universel. Peu importe la culture, peu importe votre âge, on fait tous ça. OK, au boulot, on peut être une personne, puis à la maison, on peut être une autre personne. Un peu comme, ben là, c'était peut-être pas le bon exemple que je voulais te donner, j'allais dire un peu comme un gardien de prison, là. C'est parce qu'il rendait à la maison, quand il met ses enfants en punition, il est pas pour rester devant la porte à surveiller pendant des heures et des heures. Là, je comprends. Mais bon, OK. Puis quand t'écoutes la télévision, je sais pas, moi, t'écoutes le bulletin TVA 18h, puis il y a des politiciens qui passent. Ouais. Ou t'écoutes
tout le monde en parle, ce que tu me parlais tout à l'heure. Ça doit être assez particulier pour toi qui connais la synergologie, puis qui sait exactement s'il y a des malaises ou s'il y a un mensonge qui est en train de se passer. Ben, je dirais que quand on est là en ce moment, on est en pleine période d'élection là. Ouais. J'essaie de pas trop regarder la télé parce que c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est sûr qu'en élection, ils vont raconter des affaires, ils vont faire des promesses, ils vont raconter des mensonges. C'est sûr que ça, dans ce sens-là, ça me tape davantage sur les nerfs. Je le sais qu'on n'est pas dans une sphère d'authenticité. Il y a une game qui est en train de se jouer. Dans les émissions, comme tout le monde en parle, là, c'est drôle parce que on peut voir les gens qui s'apprécient, les gens qui s'apprécient pas, les gens qui se sont vus avant et qui se connaissent bien, les gens qui ont déjà eu un conflit, les gens qui aiment la question ou les gens qui apprécient pas la question qui se font poser ou les gens qui répondent à la question et la réaction des invités autour, ça devient intéressant. Fait qu'évidemment, je vais choisir mes émissions. Quand on a des nouvelles où on reçoit quelqu'un qui est agressif, ça va être des émissions que je vais avoir tendance à regarder plus tard quand je vais être toute seule parce que évidemment l'agressivité, je la vois 4 fois plus que les autres. Fait que ça, c'est sûr que je dois choisir le moment où je vais la regarder. Si je suis trop fatiguée, je vais l'absorber. C'est dangereux. Puis le débat des chefs, quand tu écoutes le débat des chefs de parti qui veulent être élus aux prochaines élections, ça aussi, ça doit être absorbé parce que nécessairement, le non-verbal est là, là. Oui, puis souvent, on me demande de l'analyser. Donc, je me promène avec un paquet de pattes de papier puis je vais prendre des notes un peu partout. Fait que pour moi, un débat des chefs, c'est excessivement stressant parce que je suis en train de prendre les notes sur chacun des politiciens, sur c'est quoi le non-verbal de celui qui parle, c'est quoi le non-verbal des autres qui réagissent, à quelles questions ils ont eu ce non-verbal-là. Donc, pour moi, ça, c'est des soirées stressantes, là. OK. Tu parlais de la voix aussi. Oui. Et c'est quoi les particularités des voix que tu peux entendre? Ben déjà, si vous avez une émotion de colère ou si vous avez... Il y a certaines émotions qui vont faire réagir votre voix. Si vous avez la dernière syllabe de votre phrase qui devient plus aiguë, c'est un signe de stress ou un signe de colère. Donc, si je demande par exemple à mon conjoint comment a été la journée, puis qu'il me dit « Ah, ça a bien été! » La dernière syllabe est plus aiguë, ça n'a pas bien été. C'est clair. Donc, je vais m'arranger. Puis tantôt, on a eu une conversation hein, quand on s'en venait. Puis il dit, ah, ben telle affaire, ça a bien été. Je dis, OK, ça a bien été. C'est quoi qui a pas bien été d'abord? Donc, c'est sûr que ça, on va l'analyser. Les gens qui donnent une réponse trop rapidement à une question, d'habitude, c'est davantage un signe de mensonge. Donc, quand on dit la vérité, on doit trouver la réponse, on doit la structurer. Donc, on va prendre plus de temps pour donner la vérité. Quand le débit est plus rapide, on a soit un stress, soit un mensonge. Donc, il y a des petites particularités comme ça. C'est intéressant, ça. C'est intéressant. On aura peut-être l'occasion d'en reparler au courant de la soirée. Tu as écrit plusieurs livres, je pense 4 au total. Oui, le 5e sort cet automne. Ah oui? Oui. On va-tu l'avoir? La minute qui va être imprimée. On peut-être pouvoir en parler. Oui. Le premier, c'est « Je lis en vous, savez-vous lire en moi? » De quoi ça parle? Ça, c'est vraiment de l'analyse du non-verbal. Donc, je vous ai mis plein de photos. C'est une initiation à la synergologie. Je l'ai mis en milieu des affaires, donc entrevue d'embauche, formation, relation avec un client. Il y a plein en coaching aussi, supervision d'employés. Donc, vraiment en format affaires. Mais évidemment, c'est pour monsieur, madame, tout le monde aussi. J'ai mis des anecdotes très personnelles dedans. Donc, que je raconte en conférence, des trucs qui sont arrivés avec mon conjoint, des trucs qui sont arrivés avec d'autres personnes. C'est ce que j'aime, c'est que tu t'analyses toi aussi, hein? Regarde, Véro. Écoute, le point 1, là. Le front détendu. Ni peur, ni colère. Ben, jusqu'à maintenant, ça va bien. Le 2, son sourcil. Je l'avais remarqué aussi sur ses photos. Ça, ça serait la curiosité. Est-ce que ça se peut? Un peu. Sourcil, haussement du sourcil gauche, pudeur, refus de s'impliquer, de s'engager. Mm-hmm. Fait que vous autres aussi, vous avez des problèmes comme nous autres. Tout à fait. Puis d'ailleurs, quand je donne des conférences, je présente une vidéo de moi où je suis avec un autre invité et je suis pas à l'aise avec le sujet de l'invité et j'ai plein de signes de malaise puis je fais exprès de le montrer pour que les gens voient mes propres signes de malaise puis voient que je suis capable de m'analyser moi aussi, là, je suis capable de rire de moi. Là. Ouais. Serais-tu capable de faire mentir un synergologue? C'est plus difficile parce que veux, veux pas, en plusieurs années, on s'est fait tellement analyser que on apprend à dire davantage ce qu'on pense. Moi, je me suis divorcée pendant le programme et je l'avais pas dit à personne. Et le cours suivant, quand je suis rentrée dans le local, évidemment, c'est Philippe Turchet qui donnait le cours. Et quand il m'a vu la face, il est venu me voir et il dit « Annabelle, t'es-tu correct? »
Et son associée, Christine Gagnon, s'est retournée vers moi puis a dit « Mon Dieu, Annabelle, qu'est-ce qui est arrivé? » Et là, les étudiants sont tous retournés. J'avais rien dit, mais ils avaient tous compris qu'il s'était passé quelque chose, que c'était sur un plan personnel, que c'était, ça causait beaucoup de stress, que ça causait de la peine. Ils étaient tous en train de me le nommer. Okay. Donc, ils en sont tous venus à la conclusion que je suis en train de me séparer. C'est presque malaisant. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Annabelle, j'ai 25 ans, je viens de me séparer. C'est un peu... Puis évidemment, quand il y a un autre participant qui dit quelque chose et qu'on n'est pas d'accord, notre corps vient de le manifester. Et là, on a les 15 autres élèves qui se rendent compte qu'on n'est pas d'accord. Le prof s'en est rendu compte puis on n'a pas rien dit. Donc, inévitablement, on apprend à dire ce qu'on pense parce que de toute façon, les autres l'ont tout vu. OK. Tu es super bonne là, quand tu rencontres les gens, quand tu entends leur voix, quand tu réussis à voir, je sais pas moi, le sourcil qui relève ou la personne qui regarde dans le vide ou la personne qui répond trop rapidement qui est en train de te conter un mensonge. Est-ce que avec des photos, vous êtes capable de travailler? On peut travailler en partie. Mon conjoint me teste souvent d'ailleurs là-dessus parce qu'il va me montrer des photos de clients ou de gens qu'il a rencontrés. Donc, je peux donner une analyse sommaire, mais ça va me donner une analyse de comment la personne était au moment de la prise de photo. C'est pas comme moi qui juge facilement. Genre, lui, j'aime pas la face. elle est ouais. Ouais, OK, ouais, elle. Ben, c'est arrivé, entre autres, il y a une fois où mon conjoint avait rencontré quelqu'un, puis il était pas trop sûr, puis il y a des partenaires qui avaient dit « Fais attention à ce monsieur-là », mais moi, je le connaissais pas. Et il m'apporte sa carte d'affaires et le monsieur vient de faire faire ses cartes. Les photos sont récentes. Et sur les photos, on peut quand même voir si les paupières sont gonflées, s'il y a des cernes particuliers en dessous des yeux. Donc, on sait le niveau de fatigue de la personne au moment où les photos ont été prises. Mais on voit aussi les rides qui sont les plus prononcées. Et les rides vont se creuser en fonction des contractions musculaires. Donc, si vous avez vécu beaucoup de colère dans votre vie, c'est les rides qui partent du nez qui vont se creuser. Okay. Si vous avez travaillé beaucoup au soleil, vous allez avoir à ce moment-là les rides entre les sourcils, les rides verticales, parce que vous avez froncé des sourcils. Si vous avez eu beaucoup d'épreuves dans votre vie, vous avez ressenti beaucoup de lassitude, c'est les rides qui vont partir de la commissure des lèvres et qui descendent. Donc, dépendamment de l'émotion, dépendamment de la contraction musculaire qui a été prédominante dans votre vie, c'est pas les mêmes rides qui vont se creuser. Puis ça, bien évidemment, sur une photo, on le voit. Sur la photo, on va voir si la personne fait un vrai sourire ou si c'est un sourire forcé. On va voir s'il y a des contractions musculaires au niveau du cou. On va voir s'il y a une épaule qui est surélevée, s'il y a un sourcil qui est surélevé. Fait qu'évidemment, sur la photo que j'avais en avant de moi, c'était un comptable. On est au mois de septembre, on n'est pas dans la période des impôts. Puis il y a plein de signes de stress, de fatigue, d'épuisement. Et je vais vérifier sur d'autres photos un an et demi avant, en période d'impôts, et j'avais pas ces signes de fatigue et d'épuisement-là. Fait que j'avais dit à mon chum, si tu lui vends un ordi, arrange-toi pour te faire payer avant parce qu'il y a trop de signes d'épuisement. Ou bien il est en burn-out ou il est sur le bord de faire faillite. Puis évidemment, ben, les autres partenaires qu'il avaient eu des problèmes de paiement avec cet homme-là. On a pu le vérifier après. Puis le monsieur a fait faillite 3 mois plus tard. Donc, la photo nous donnait suffisamment d'éléments pour être aux aguets. OK. Ceux qui ont des gros yeux, ceux qui ont un œil qui est un œil de perdrix, on en connaît ici à la station à Véro. J'ose pas me prononcer. Non, parce qu'on l'agace avec ça, je sais qu'elle écoute, fait que c'est pas vrai en plus. Mais ceux qui ont un œil un peu désaxé, ceux qui ont un œil toujours, le sourcil toujours relevé, ça, est-ce que vous pouvez définir ça aussi? Mettons un grand nez, moi j'ai un long nez, qu'est-ce que ça veut dire le monde avec un long nez? Là, on est moins dans la synergologie, mais on est dans la morphopsychologie. Okay. Ça, c'est une autre discipline. Oui, c'est complètement autre chose parce que là, on dit qu'en fonction, encore une fois, des émotions qui sont prédominantes, vous allez avoir des contractions musculaires particulières, ça va tirer davantage sur certains muscles et ça pourrait modifier la structure de votre crâne, la structure de votre visage. Okay, mais moi, c'est-tu comme Pinocchio? Là, ça? Il y a aussi une question de gêne. Donc, il faut vérifier comment vos parents étaient. Puis c'est sûr que dans le temps, ça change. Mon nez, la gêne? Le gêne. Les gènes. Oh, les gènes. La génétique. OK, je pensais que j'étais gênée. Non, je pense pas. Non, pas vraiment. Il faut savoir que le nez et les oreilles, ça continue de grandir dans la vie. Hein. C'est les seules parties du corps qui continuent de croître. C'est ta mauvaise nouvelle de la soirée. On m'avait jamais parlé de ça. Et oui. Ça expliquerait pourquoi mon grand-père avait des grosses oreilles. J'étais tellement content de pas avoir les siennes. OK, donc dans le livre « Je lis en vous, savez-vous lire en moi », c'est vraiment la synergologie, oui. L'analyse du non-verbal. Oui. Ça, il est disponible? Oui, tout à fait. All right, le deuxième, « Relations sous emprise, comment s'en libérer sur le plan personnel et professionnel? » De quoi on parle? Comment se débarrasser des manipulateurs? Oh! Donc, quand on est aux prises avec quelqu'un qui nous manipule, on est vraiment dans une relation, que ce soit une relation amoureuse ou que ce soit au travail, puis qu'on est pris jusqu'au cou puis qu'on sait plus vraiment comment s'en sortir. Là, j'ai donné comment reconnaître qu'on est dans une relation sous emprise, comment reconnaître qu'on est manipulé, c'est quoi les stratégies du manipulateur, puis comment il fait pour nous embarquer et qu'est-ce qu'il fait
pour qu'on soit pas capable de sortir de la relation, même si on sait qu'elle est toxique. Parce que sortir d'une relation sous emprise, c'est vraiment long. Ça va prendre plusieurs tentatives, il va y avoir des rechutes, et dans le livre, j'explique pourquoi il y a des rechutes. Comment le manipulateur s'y prend, comment il nous détecte, comment il nous choisit, et comment il va s'y prendre pour nous manipuler. Qu'on soit dans le pire de la crise ou bien que on est en train de tomber dans le piège du manipulateur, mais on n'est pas encore complètement dedans, mais on veut sortir avant que ça aille trop loin. Donc, ça, c'est d'autres stratégies que je donne. Et si on a déjà été victime d'un manipulateur et qu'on veut pas retomber dans un autre piège, ben là, je donne des moyens pour prévenir une autre situation comme ça. OK. Puis tu donnes aussi des anecdotes personnelles, si oui. J'ai bien lu, là, parce qu'à un moment donné, tu te rends compte qu'il y a un chef d'entreprise qui est devant toi, puis il est en train de te vendre sa salade, oui. Puis il est en train de démontrer à quel point il y a un cercle important, puis que, tu sais, c'est un gars important. Oui. Tu t'en es libéré de lui. Oh, ça a pas été long. Ça a pas été long. De toute façon, c'était quelqu'un de très très imbu de lui-même, très narcissique. Fait qu'évidemment, lui, il considérait qu'il était au-dessus de tout le monde, au-dessus de la loi. Et puis ça a été d'ailleurs très très particulier. C'est un intimidateur assez solide. 45 minutes avec lui, c'était particulier. Assez pour que les policiers soient au courant de la situation à ce moment-là. À ce point-là? À ce point-là, j'ai okay. été sous protection pendant un petit bout après ça. OK. Qu'est-ce qu'on retrouve le plus souvent chez les chefs d'entreprise au niveau de la synergologie? Ben évidemment, les entrepreneurs, ce sont des gens qui sont des défenseurs de porte. Donc, ils peuvent quand même être gênés, mais c'est des gens qui veulent tester. C'est des gens qui, parfois, vont avoir un syndrome de supériorité. Ils considèrent qu'ils ont raison, leur idée est bonne, ils vont défoncer des portes. Donc, ça peut pas être nécessairement négatif. C'est pas nécessairement négatif. Parce que ça les aide dans leur travail. Ça va les aider, mais ils vont être expressifs. Okay. Et ça va être des gens qui vont, évidemment, vendre leur salade. Donc, ils vont défoncer des portes. Ils vont être moins en mode écoute, davantage dans un mode émetteur. Fait que c'est sûr que ça va être des gens très, très expressifs. Ils vont gesticuler, ils vont changer de position, ils vont être imposants. Ils ont une bonne posture généralement. Donc, ceux qui réussissent en particulier, là, généralement, quand ils rentrent, on a l'impression que le lion vient d'arriver dans le champ. Là, c'est vraiment hallucinant. Là. OK. Puis les employés, c'est les écouteux? Ça dépend lesquels. Il y a des employés qui, évidemment, sont des fortes têtes. Il y a des employés qui sont plus suiveux. Il y a des employés qui sont là, mais qui, dans le fond, sont en train de vous voler des clients. Fait que ça, il y a différentes personnalités, évidemment, là. Fait que là, faut regarder les différentes personnes. Je me souviens d'un collègue qui m'avait testé puis qui m'avait emmené dans une entreprise où il y avait 20 employés. 20 personnalités totalement différentes. Puis après, il m'avait fait rencontrer le patron puis il m'avait dit, bon, c'est quoi ton analyse? Fait qu'il a fallu que j'analyse 20 personnes et tout ce que je me souvenais, c'était de la poignée de main, l'axe de tête, puis la position des pieds pour chacun, puis la madame au chandail orange, le monsieur avec le veston, là, mais je me souvenais même pas des noms tellement il y en avait eu à rencontrer. Donc c'est sûr que là, on tient compte de la personnalité des gens, puis ça nous permet de voir si on a la bonne personne au bon endroit. La personne, est-ce qu'elle est confiante dans son rôle ou est tellement rongée par le stress qu'elle est en train de se rendre malade? Les poignées de main, hein? Ça c'est important. C'est comme le premier rendez-vous que tu as avec quelqu'un, tu lui serres la main, puis on dirait que tu te fais l'idée tout de suite de qui oui. est cette personne-là. Moi, là, les mains mouettes, là. Les mains moites, là, que t'as l'impression, c'est comme un poisson que t'as des mains. Ouais, là, ouais, mais moi, c'est les extrêmes qui me tannent. Les mains moites, les mains molles, puis les mains qui sont trop fermes ouais. aussi, que t'as l'impression ouais. qu'ils vont presque partir avec ta main. Ouais, ouais. Tu tombes à genoux, là. Je n'ai rien fait. Ouais, mais moi, ceux qui m'écœurent, parce que moi, je suis un homme, hein, fait que les mains fermes, je suis correct avec ça, c'est vrai. Ouais. Mais capable d'en prendre. Mais pour ce qui est des mains moites, là, c'est souvent les filles. Oui. qui ont les mains mouettes, puis maudits, voyons, qu'est-ce qui se passe? Comment ça, t'es pas capable de donner une bonne poignée de main? Mais en fait, puis c'est drôle parce que les études en psychologie démontrent qu'en effet, avec la poignée de main, on se fait déjà une idée de la personne qu'on a en avant de nous. Fait qu'à partir de là, si on a fait une mauvaise poignée de main, on est mal barré, là. Si on a quelqu'un qui donne une poignée de main molle, là, on a affaire à quelqu'un qui a de la difficulté à s'investir, qui a de la difficulté à prendre en charge la situation. Ça peut faire un très bon exécutant, mais ça fera pas un bon décideur. C'est pas quelqu'un qui veut mettre sa tête sur le bio, mais pas pantoute. On a des gens qui donnent une bonne poignée de main, mais qui serrent pas les doigts. Ils gardent la main droite. C'est le même principe. On a quelqu'un qui veut pas s'engager, qui serait peut-être prêt dans un autre contexte, mais dans le contexte actuel, il s'engagera pas. Les poignées de main écrasantes, là, on est dans de la domination. Ça, c'est vraiment fatigant. Évidemment, dans ce temps-là, le réflexe qu'on a souvent, surtout si on est une femme, c'est de reculer. Là, l'autre vient de gagner dans ce temps-là. Fait qu'au contraire, il faut, un, rester très droite, s'assurer qu'on penche pas par en arrière, mais il faut s'arranger pour récupérer notre main aussi. Et ça, on peut le dire à l'autre personne qui serre trop fort.
mais il faut se libérer le plus vite possible. Puis on a des gens qui donnent des poignées de main, mais du bout des doigts, comme s'ils voulaient qu'on leur fasse un baise-main. Là, on a le roi devant nous. Là, on a quelqu'un qui se considère supérieur et qui considère qu'on lui est dû, on lui est redevable. C'est pas une très bonne poignée de main, généralement. Ouais. Puis, il y a du monde aussi qui te laisse pas le temps de, tu sais, d'insérer ta main dans sa main pour, puis après ça, devenir une poignée de main ferme. Il te pogne juste comme le bout de des doigts. Il check ça comme si c'était un torchon, tu sais. Tu sais que c'est ça. Là, j'ai tout le temps le goût de, non, t'as peur, on va reprendre. Tu sais, c'est comme un. Ouais. Ça devient comme un 2-3, tu sais, t'as peur. Bon, encore une fois, on est avec quelqu'un qui il veut pas vraiment vous donner la poignée de main. Il fait là parce qu'il y a des conventions, puis il y a du monde, puis on est obligé. Fait qu'il va le faire, mais justement du bout des doigts, puis il va se dépêcher de se libérer là. Il y a quelque chose que j'ai remarqué moi des politiciens, Annabelle. C'est rare, puis je vais te dire ceux qui le font là. Maxime Bernier me regarde dans les yeux. Mm-hmm. Gérard Deltel me regarde dans les yeux quand il me serre la main. J'ai serré la main à Éric Kerr, il me regarde dans les yeux. Jean Charest me regardait dans les yeux. Mm-hmm. Mais les autres, j'en oublie, je m'excuse, mais il y a beaucoup de politiciens qui te serrent la main mais qui détournent tout de suite du regard. Même si t'es comme le seul dans la pièce là, il te serre la main mais oups, puis il y a le regard fuyant tout le temps. Tout le temps. Pis, j'ai remarqué ça uniquement chez les politiciens. Ouais. Je sais pas pourquoi. Ben en fait, il y en a que ils sont pas présents psychologiquement. Dans leur tête, sont déjà ailleurs, sont déjà dans la rencontre qu'ils fassent, sont déjà dans la question auquel il faut qu'ils répondent. Fait qu'ils sont pas avec vous psychologiquement. Fait que le regard, c'est ça que ça fait. Puis il y a des gens que quand ça fait 45 poignées de main qu'ils font, là, ça le tente plus. Ça devient comme un automatisme. C'est un automatisme et après un certain temps, ils deviennent saturés. Ils sont écœurés. Fait que dans ce temps-là, il y a des mécanismes de défense qui embarquent, dont celui de refermer la bulle. Puis la façon de refermer la bulle, c'est de détourner le regard. Puis il y a des gens, évidemment, qui sont gênés. C'est pas parce qu'ils sont en politique qu'ils sont nécessairement très confiants. Mm-hmm. Ben, si tu veux des votes, je sais pas, la moindre des choses, c'est de serrer la main puis regarder la personne dans les yeux. Je regardais Barack Obama qui prenait un bain de foule dans les dernières semaines. Puis lui, c'était ça. Hein? Il regardait la main, réussissant à aligner la main de la personne. Puis après ça, il regardait la prochaine personne qui allait serrer la main. Mm-hmm. Je sais pas, une poignée de main ferme, c'est sincère. Pas une poignée de main sincère. Je sais pas, t'aurais tellement avantage en tant que politicien de prendre au moins une seconde avec la personne puis qu'il y ait un eye contact. Mais ça, c'est un bon exemple qui démontre que c'est inconscient. Logiquement, là, on devrait prendre le temps de faire une bonne poignée de main et ils le savent. Mais quand ils arrivent en situation réelle, ils le font pas parce que l'instinct revient, l'inconscient embarque. Et c'est les mécanismes de défense qui embarquent. C'est comme s'ils nous voyaient comme, tu sais, tu travailles à la chaîne, c'est là, ça. Dans une usine, là. C'est exactement ça. Ah, lui, t'es dans un abattoir, hein, tu sais, il faut que je donne le couteau à la bonne place, après ça, je pense au prochain, il faut pas que je le rate. C'est ça. C'est un peu sadique, mais on comprend. Oui, all right. Sylvain qui nous écrit, bonsoir, vous avez analysé les politiciens fédéraux avant les prochaines élections, j'aimerais bien savoir lequel est le moins menteur. Je vous dirais qu'en ce moment là, ils sont tous dans leur speech. Il y a pas grand vérité, mais c'est normal. C'est toujours comme ça les élections là. Fait que là, ils sont tous très tendus et ils connaissent les questions à l'avance. Si on pouvait poser des questions auxquelles ils s'attendent pas dans un contexte où ils sont plus détendus, là on aurait la vérité. Mais ils savent les questions à l'avance. Je sais, ma mère, elle travaille en politique, fait que je le connais très bien. Ils sont très bien briefés. Ils sont très bien briefés, fait qu'évidemment, ils ont appris et ils ont pratiqué leurs réponses. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup d'items de sincérité, là. On va faire une courte pause. Je rappelle que ce soir, au Chauteur, on jase avec l'auteur Annabelle Boyer. Si vous voulez en savoir plus sur la synergologie, annabelle-boyer.com. Ceux qui sont dans leur voiture, comme à l'habitude, vous n'avez pas le temps de noter et on le comprend. Vous pourrez, une fois arrivé à la maison, aller sur la page Facebook Le Chauteur, puis il y aura le lien pour aller voir le site web d'Annabelle Boyer. On fait une courte pause, on vient.